un enrichissement très fort sur deux points principaux. Donc un premier point sur le plan intellectuel, tant par toutes les connaissances acquises, tant au niveau de l'institution qu'est le CESE, qu'au niveau des auditions, des personnes auditionnées et puis des débats que l'on a eus. Et un autre plan, tout simplement sur le plan humain, très enrichissant avec les différentes rencontres que nous avons pu avoir, tant au niveau des rapporteurs que des conseillers ou de toutes les personnes qui nous ont entourés lors de cette expérience. Pour aller un petit peu au-delà, cette participation citoyenne, de ce qu'on a entendu des rapporteurs, a vraiment apporté aussi dans cet avis, peut-être pour élargir un petit peu certaines réflexions et pour simplement avoir un avis autrement plus objectif sur ces réflexions. S'il y a un temps fort, pour moi, c'est quand même l'arrivée au CESE, sans forcément trop connaître cette institution. Quand on arrive dans cette grande salle, voilà, on nous prend en photo, on nous accueille vraiment très, très bien. C'est vraiment le gros temps fort. Et maintenant, il y aura quand même un deuxième temps fort. Finalement, c'est voilà, l'arrivée. Et là, aujourd'hui, cette plénière, ça sera finalement un deuxième temps fort. J'aurai, je pense, du mal à froid à trancher entre les deux. C'est, je pense, la préconisation autour du vote blanc qui a, il me semble, d'instaurer des bulletins de vote blanc à côté des bulletins de candidats qui peut-être être entre guillemets une graine à planter pour cette comptabilisation du vote blanc, puisqu'aujourd'hui le vote blanc est reconnu mais pas comptabilisé, c'est quand même pas la même chose. Et le vote blanc aujourd'hui est, en tout cas selon moi, un choix politique qui est à différencier de l'abstention.